On ne peut pas accepter quelqu'un qui tue les gens innocents de cette manière. On ne peut pas le dire parce que telle cause ou telle cause. Non, pas du tout. C'est un criminel, c'est un criminel. Il a tué des enfants, il a tué des innocents. Imaginez les parents de Mohamed Laghoui. Un vrai Mohamed Laghoui, c'est un vrai musulman, un vrai citoyen. Il est mort avec la dignité, on était fier de lui. Et l'autre, il a pris le chemin de Satan, de la haine. Il est mort comme un criminel. Il faut le dire quand même. Et il est très important que nos frères musulmans et nos frères chrétiens et nous-mêmes, pour ne parler que des religions monothéistes, marchions ensemble ici, à proximité de cette école devant laquelle il y a eu meurtre. C'est du voyeurisme. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Je suis horrifiée par ce qui s'est passé. Je pensais que tout ça, c'était de l'histoire ancienne et puis ça revient sur le tapis régulièrement. Il y a 10 ans, on a eu Le Pen aux élections. 10 ans après, on a à nouveau la sécurité qui revient, une ambiance assez morose. Et ça me désole vraiment. Du côté du portail vert ou sur le trottoir en face? Non, je pense qu'on ne le digérera jamais. Une mort, une tuerie à bout touchant sur des enfants, c'est l'horreur absolue. Je pense qu'on ne peut pas digérer ça. Je suis passé par la maison, il y a des là-bas.